fait peur avec le fameux coup du chat qui vous saute dessus comme dans tous les vieux films d'horreur. Ça marche à tous les coups, vous avez vu? Assez réussi, hein, pour Wellington. C'est surtout à lui que j'ai fait peur, en tout cas je l'espère. Regardez, j'ai trouvé un coin sympa pour les vacances, ça s'appelle Blackwood Pine. C'est une riante petite cité avec très peu de maisons en pleine montagne, dans laquelle vont se retrouver évidemment une bande d'adolescents stupides. Ils sont 8 et ils vont avoir affaire à un serial killer, bien sûr. Un grand classique, d'où le grand classique du chat qui saute sur la caméra pour faire sursauter le spectateur. Juste avant de partir, regardez, on m'a envoyé ce dossier de presse dans une boîte toute cabossée, et je ne sais pas si c'est exprès pour déconner avec le côté film d'horreur, ou si c'est le côté, ou si c'est la Poste qui a complètement niqué le truc. Pas trop le genre de la Poste, plus Chronopost. Ils aiment bien niquer les paquets et les défoncer. Alors, est-ce que ces adolescents vont se faire défoncer? Ça ne dépend que de vous, les petits amis, et de moi, parce que là, c'est moi qui vais avoir la manette à la main. Ce jeu donc s'appelle Until Dawn et c'est un slasher. Et on a, donc le slasher c'est tout ce qui est Jason, Freddy, un tueur qui essaie de décimer des adolescents stupides. Là c'est exactement ça, il y a vraiment tous les clichés. Je vais lancer une mission que j'ai déjà faite, un épisode que j'ai déjà fait. Et regardez parce qu'il y a un petit résumé de l'épisode dès le début pour vous situer le contexte. Je vous laisse regarder. C'était juste une blague, Anna! C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux... Jess? Jess! Voilà, j'ai bien laissé le début pour que vous fassiez connaissance un peu avec tout le monde. Donc une bande d'adolescents stupides, vraiment comme dans tous ces films. La pétasse qu'on déteste, là, Jess, ça se fait des petites vannes d'ado de CM2, ça dit des gros mots tout le temps. Voilà, c'est vraiment, c'est ridicule, mais bon, en même temps, on aime ça. Quand on aime ça au cinéma, c'est assez drôle, on n'a qu'une envie, c'est de les voir se faire massacrer par un tueur. Et c'est ce qui va arriver. Alors vous pouvez essayer aussi, vous pouvez essayer de les sauver. Moi, j'essaie de les faire crever tous le plus vite possible. Malgré moi, j'ai quand même réussi à en sortir 3 sur les 8 à la fin du jeu. Je ne sais même pas si on doit dire le jeu ou le film, c'est un peu entre les deux. C'est dans la lignée de choses comme Heavy Rain, ou Walking Dead par exemple, on a des choix à faire. Là par exemple, ils sont en train de faire un petit coup de Ouija, donc je vais choisir d'être désinvolte par exemple. Ok, esprit, es-tu là? Eh oh, décrochez, esprit du voilà, téléphone. Voilà, fait ça Nabila. Voilà, donc moi, il me faut penser à des personnages de télé-réalité, tous ces genres. Donc j'ai juste envie qu'ils crèvent tous, comme tous les gens des anges de la télé-réalité. Les trucs, on en a marre de les voir à la télé, on n'en peut plus. Donc quand on est là, entre les mains, au bout de la manette, on a juste envie qu'il leur arrive des trucs horribles. Je vous rassure, il va leur arriver des trucs horribles, bien sûr. Vous pouvez essayer de les sauver quand même, si ça vous fait plaisir. Tout ça, c'est assez linéaire. C'est entre le film interactif et le jeu vidéo. On va pas où on veut. C'est vraiment des couloirs la plupart du temps. Parsemé de quick time event, un peu débile. Vous allez voir qu'il suffit d'appuyer sur croix, rond, triangle. Il n'y a pas de vraie justification. Pourquoi croix plutôt que triangle? C'est juste une question de réflexe. Il y a le détecteur de mouvement qui permet de faire 2-3 trucs sympas. J'essaierai de vous en faire voir quelques-uns. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment sous-exploité. Allez, on va interroger les esprits. Donc vous avez compris l'idée, il y a 2 jeunes filles qui ont disparu dans la montagne alors qu'elles étaient parties avec leurs amis faire la fête, machin. Ils ont fait une mauvaise blague à une des filles, ils ont fait croire qu'un mec était amoureux d'elle. Et puis en fait, ils se sont tous foutus de sa gueule en la filmant avec leur téléphone portable. Des trucs de con d'ado, des trucs de télé-réalité, quoi, vraiment. Sauf que les deux filles sont parties en courant, les deux sœurs, et on les a jamais revues, on les a jamais retrouvées. Et donc, bonne idée, un an après leur disparition, et ben, toute l'équipe se retrouve dans le même chalet pour faire la fête. Et évidemment, ils vont être poursuivis par un serial killer. Ça y est,
Évidemment, il y a un gros twist aux trois quarts du jeu, vous le verrez, je ne vous spoil pas quand même pour vous garder le plaisir. C'est donc un slasher, mais qui s'étale sur 5-6 heures de jeu quand même, finalement, ce qui fait un peu long. C'est un peu dur de maintenir l'attention tout au long. Donc il y a plein de procédés super faciles, comme le coup du chat que je vous ai fait tout à l'heure. On vous fait des grandes pointes de musique un peu angoissantes, on vous jette des trucs au visage, voilà, c'est assez gratuit dans l'ensemble. Donc on n'est pas dans le niveau d'un jeu comme The Walking Dead, où on s'attache vraiment aux personnages. Moi je les déteste. En plus, on s'attache vraiment au personnage. Moi, j'ai pleuré à la fin du jeu Walking Dead, où vraiment, on est attaché à ces deux héros et on n'a pas envie qu'il leur arrive des choses. On a des choix vraiment cruciaux, difficiles à faire dans Walking Dead. Là, c'est pas trop le cas. Par exemple, il y a des moments où vous devrez choisir entre sacrifier un mec plutôt que l'autre. Et finalement, quand on rejoue, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment le choix. Que quel que soit votre choix, c'est toujours le même qui y passe. Donc voilà, il y a des petites arnaques comme ça que j'accepte dans Walking Dead, parce que finalement, je suis ému au final et je fais comme si j'avais pas vu les grosses ficelles. Là, les grosses ficelles, on les voit un peu plus. C'est un peu plus dur de rentrer dedans. Mais si vous aimez les films d'horreur, bah, ça fonctionne quand même, mine de rien. Là, vous voyez, on est dans une séquence un peu longuette en plus, où ils sont autour de leur table de Ouija, essayer de rentrer en contact avec les sœurs. Je vais répéter le mot cliché 60 000 fois, mais vraiment, il n'y a que ça dans ce jeu film. Voilà, lui, c'est Joss, je crois. C'est le frère d'une des sœurs. Ils ont tous des prénoms de séries télé américaines, Kevin, Jessica et compagnie. C'est assez hallucinant. Mike et tout ça. Donc vraiment, c'est très très américain dans l'idée. Après, c'est joli. Regardez, ils ont vraiment des bonnes têtes. Les acteurs jouent plutôt bien. On fait ça en motion capture. Et c'est plutôt réussi de ce côté-là. Allez, on va continuer un petit peu. C'est un peu longuet, je suis désolé d'avoir choisi cette séquence, mais en même temps, le résumé de l'épisode au début vous aura permis de voir un peu toutes les forces en présence, on va dire. Et là, très vite, à la fin de cette séquence, on va vraiment pouvoir prendre la manette et faire avancer des personnages. Et là, vous aurez vos petits sursauts, je vous le promets. Même moi, comme je ne me souviens plus exactement à quel moment ça intervient, il est probable que je flippe aussi. Oh, oh, c'est pas un bout de bois qui va me faire flipper. Quoi? Non, c'est des conneries. C'est pas vrai. Josh, je sais pas ce qui se passe. Écoute, je sais pas si tu penses que me chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est le frangin des deux filles qui ont disparu, donc évidemment, gros traumatisme pour ce pauvre garçon. Et du calme. J'ai vraiment pas besoin de ça maintenant. Putain, vous êtes trop lourd. Voilà. Ils se barrent, vont discuter un peu, et enfin, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les petits amis. Donc je vous le disais, 5-6 heures de jeu à peu près, en prenant son temps, hein, tranquillement. C'est long pour un slasher, un peu court pour un jeu. Je donne mon avis tout de suite, hein, j'ai trouvé ça sympa et finalement ça marche. C'est marrant de voir un slasher en jeu vidéo, c'est finalement un genre qui n'a pas été utilisé ou très peu. Je ne sais pas combien il est vendu. Moi je ne donnerais pas plus de 20-30 euros pour ça, je n'aurais pas à l'acheter 60 euros, mais voilà. Ah, Mike, qui était avec Jess, qui a disparu, donc on va peut-être enfin pouvoir retrouver Jess, donc il faisait des petites batailles de boules de neige, comme des ados mignons, et tout à coup, elle a crié et elle a disparu, donc on va partir à sa recherche. Donc ça y est, je vais enfin diriger un personnage pour de vrai, vous voyez, je vais où je veux, et avec le détection de mouvement, je décide d'éclairer telle ou telle partie du paysage, donc c'est ça qui permet de se déplacer. On va aller voir ce truc mystérieux, un tracteur, est-ce qu'il y a un agriculteur qui manifeste. Alors vous voyez, avec R2 j'agrippe et avec ça je vais tirer sur la poignée. Oh mon dieu, un premier jumpscare. Oh là là, pas vu venir celui-là. Donc typiquement, et là c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Pourquoi un masque apparaîtrait d'un coup sur le truc? Alors vous dites, bah il y a un mécanisme derrière, peut-être on va aller voir. Genre je vais appuyer sur croix. Et puis voilà, je vous ouvre la porte pour voir. Non, 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 tu n'ouvres pas la porte, tu regardes juste le masque. Tu sais pas comment il est arrivé là, etc. Moi, j'aurais bien aimé enquêter. Dans un vrai jeu d'aventure, on aurait pu ouvrir, fouiller un peu, voir qu'un mécanisme fait surgir le masque, etc. Là, non, vraiment, encore une fois, c'est très linéaire. Après, c'est pas grave. Franchement, vous jouez tout seul dans le noir, vous pouvez flipper. Moi, j'en ai rêvé la nuit, je jouais le soir, quand ma petite femme était couchée tout seul. Et j'en ai vraiment rêvé la nuit. Vraiment des... Oh ! Vous pouvez sursauter là. Non. Si vous avez sursauté, je vous ai vu. Vous avez vu derrière votre petite télé. Attends, attends, attends. Faut que tu vois ça. Alors ça, c'est le geste, c'est la pire. Non, non. Quoi? T'as filmé ça? Oh, regarde ta tronche. J'avais peur, Jess. Tu peux pas sauter comme ça sur moi. On est au beau milieu des bois. C'est super flippant. Oh, pardon, ouais. Je te fais peur. Si t'envoies ça à quelqu'un,
Je... Tu quoi? Je vais te... te tuer. Je savais pas que ton hurlement de terreur était aussi féminin, Michael. Oh, bah dis donc, j'aime bien comment elle parle. Dirais, comment ça s'appelle? Vanny dans Final Fantasy, c'est du même niveau pour moi. Je vais faire le grognon, voilà. À ce que je vois, j'ai toujours mon pantalon. Ah, c'est comme ça. Ouais, va falloir que t'essaies encore. Ah, un défi. Donc leur grand jeu, évidemment, c'est de se faire peur les uns les autres. Mais regardez, il y a quelqu'un qui les suit. Et qui a un gros problème de conjonctivite, visiblement. Je ne vois pas comme tout le monde, ça pourrait être le Predator, ça aurait été sympa, mais non. Ce n'est pas le Predator. Ah oui, je parle du Predator, ça me fait penser à Alien. Alien Isolation, cette année. Ça, c'est un jeu qui fait flipper. Vraiment, j'étais terrifié par ce jeu. C'est vraiment un jeu où vous êtes constamment sur les nerfs, vous êtes obligé de garder votre sang-froid quand il se passe quelque chose. Enfin, vraiment, ça, c'est très réussi. C'est pas des petites peurs faciles comme Until Dawn. Hein. Donc vraiment, si vous voulez vous faire peur, jouez à Until Dawn, même Bloodborne, par exemple, un truc comme Bloodborne, il y a vraiment des trucs dégueulasses qui font flipper. Là aussi, il y a du gore, hein, je vous rassure, amis du gore, surtout vers la fin, ça part un peu en sucette. Il y a vraiment des trucs de foufou. Mais ouais, dans l'ensemble, ça reste très... C'est vraiment un truc d'adolescent. C'est vraiment à jouer tout seul dans le noir, ou mieux avec sa copine à côté, qui vous dit va à droite, va à gauche. Et là, si y a des bons publics, vous avez de fortes chances qu'elle se blottisse un peu contre vous à un moment ou un autre. Donc, je le conseillerais aux adolescents, comme les gens qui jouent dans ce film. T'as entendu? Qui vont dire ah, qu'est-ce que c'était que ça? C'est leur phrase préférée, c'est qu'est-ce que c'était que ça? Ou alors, oui. Oh putain, ou oh merde. Parce qu'il y a des gros mots, hein, c'est 18 plus, hein, je le rappelle. D'ailleurs, les enfants, si vous n'êtes pas couchés, il faut aller vous coucher, parce que ça fait quand même peur, mine de rien. Donc là, regardez, je peux viser et envoyer un petit caillou. Vous voyez, j'ai visé avec le détecteur de mouvement. T'as eu peur? Non, vous avez pas eu peur. Ok, mais il y en aura d'autres, des jumpscares, vous inquiétez pas, il y a que ça. Ce truc a failli nous tuer! Ah, mais c'est dingue, il a failli nous tuer! C'est un cerf-volant, ma parole, il volait! Oh, la fille pénible, c'est pas possible. Alors, le truc incroyable, c'est qu'ils ne courent pas dans ce jeu. Pourtant, ils ont plusieurs moments où ils devraient courir. En tout cas, quand on les manie, on peut courir un peu plus vite. Je sais même pas si vous voyez la différence. Là, j'appuie un peu sur la touche qui leur permet de marcher un peu plus vite. Et là, je marche normal. Là, je marche plus vite. Voilà. Donc, quand vous les maniez, vous ne pouvez pas courir. Après, il y a des séquences où ils courent par d'eux-mêmes. On les voit vraiment courir. Mais là, c'est plus vous qui maniez la manette. Alors, eux sont censés aller dans un petit chalet romantique. Je ne sais plus quoi faire. Donc, voilà, soi-disant, le petit chalet romantique. Avec des petits pics sur le côté. Soit plus romantique. Pour pouvoir embrocher les gens. Une vieille ampoule dégueulasse qui pendouille. Et des trucs à regarder comme ce vieux masque. Alors, chaque fois que je prends un objet, je le prends et je retourne pour montrer l'objet. Voilà. À peu près le seul truc. Et il y a le choix entre lui montrer ou l'effrayer. Bah, tu penses bien que je vais l'effrayer, ma mère, après ce qu'elle m'a fait. Allez, effrayer. Voilà. Cette espèce de cri de Wookiee complètement raté. Même moi, j'aurais fait mieux. Oh là là, j'ai mouillé mon manteau. Arrête. Oh, c'est pas vrai, Jess. Arrête de te moquer de moi maintenant. La revanche. Alors, pour se dire, c'est la VF qui est pourrie, mais je vous rassure, la VO l'est tout autant. J'ai essayé un petit peu les deux. C'est vraiment des voix de débiles dans les deux cas. J'ai peur. Je t'ai pas trompé. Je ferai tout ce qui m'est possible de faire pour te réchauffer. Mmh. Oh, la bonne vague, je vais te réchauffer, cocotte. Ne sous-estime pas mes talents culinaires. Comme c'est une bonne vanne, évidemment, il la ressort plusieurs fois tout au long du truc. Voilà, comme on va passer l'essentiel de ce chez Marcus avec ces deux personnages, c'était bien que vous voyez un peu les autres, mais évidemment, ça change. C'est pas toujours ces deux-là, ils sont souvent par deux. Vous dirigez un des deux, toujours celui qui a la lumière. Je sais pas pourquoi, c'est celui qui a la lumière qui est le chef. Évidemment, comme dans tous ces genres de films, eh ben, ils se séparent pour mieux... Oh, on a eu chaud. Pour mieux couvrir le terrain. Vous voyez, comme ils n'ont rien d'autre à faire, bah voilà, pour rythmer un peu le truc sur 6 heures, régulièrement, vous avez votre petit bonus. C'est quoi ça? Pas sûr de vouloir savoir. Moi, je dirais que c'est un Wookiee dans la neige. On est sur la planète Hot, en fait. On n'est pas du tout dans une forêt enneigée des États-Unis. Oh, un pauvre bête. Merde. C'est horrible. Oh, ben oui, hein. Merde. Je crois qu'il va pas s'en tirer.
Alors j'ai le choix entre l'achever hein, ou alors le calmer. Moi je vais prendre la méthode, je le calme. Oh, c'est pas vrai, le pauvre. Ça va aller. Ça va aller. Oh, ça va aller. Mike, il souffre tellement. Ce sera bientôt fini. D'accord, mon vieux. Ce sera bientôt fini. Ah oui, là, il court, mais c'est pas moi qui décide. Là, je vais juste avoir droit à des petits Time Haven pourris pour leur permettre d'esquiver les obstacles. Et le truc assez fou, c'est que je rate ou j'ai réussi, ça revient à peu près au même. Donc là, à ce point de l'histoire, ils ne peuvent pas mourir. Je vais prendre le raccourci dangereux parce que je suis téméraire. Allons-y. Allez, on grimpe. Rond. Pourquoi rond? Je ne sais pas. Donc c'est un peu bidon, c'est Time Event, c'est complètement inintéressant évidemment en termes de gameplay. Et puis encore une fois, si on se rate, c'est pas grave, il trébuche un peu, mais en fait, il continue quand même. Alors là, j'ai le choix entre aider Jessica, sûrement pas, ou attraper la clé. Moi, c'est la clé qui, c'est la clé qui m'intéresse évidemment. Parce qu'elle est loin, je veux qu'elle crève vite. C'est tout ce qu'elle mérite. Une pétasse pareille, c'est pas plus. Ça va passer loin. Bordel, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Ouais, c'est un peu le cas. C'était un ours? Ouais, sans doute. Ces choses vont vraiment vite. Ouais, je l'ai pas bien vu. Mais tout va bien se passer maintenant, je te le promets. Comment tu peux en être sûr? Parce que je suis à peu près sûr que les ours ne savent pas ouvrir les portes. J'en ai vu qui ouvraient des voitures. Quoi? Où ça? Sur Internet. Vraiment? Ok, bon, on n'est pas sur Internet, Jess, d'accord? C'est la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie, Mike, c'est un jeu vidéo. Et un très mauvais film de slasher, au passage. Mais en même temps, le slasher, quand on y pense, c'est un style qui a pratiquement jamais été exploité en jeu vidéo. Je me souviens de Obscur, qui était un jeu français qui se passait dans un lycée où il y avait comme ça des histoires de slasher et tout. Mais finalement, on n'a pas beaucoup de slasher. Donc, on va pas non plus faire la fine bouche. Ça fonctionne, c'est un gros boulot hein, avec des acteurs, de la motion capture, un scénario, etc. Et quand même pas mal d'embranchements. Donc voilà, pas non plus cracher dans la soupe. J'ai passé un bon moment, j'ai passé 5 ou 6 heures sympa. Alors la princesse, qu'est-ce qu'elle veut, la princesse Peach là? Ok. Une lady aimerait se blottir contre son homme devant un bon feu et profiter un peu de la douce lueur. La première partie, je pense qu'il est d'accord. Ça deviendra bien assez chaud lorsqu'on sera l'un contre l'autre. C'est son idée, c'est réchauffer une meuf. Le feu et la lueur des flammes. Ouais. Malady. Ouais, bon, bah, elle va se la mettre sur l'oreille pour le moment. On va d'abord allumer un feu, vous l'avez compris. Donc en plus, ça me fait rire aussi, ça aussi, c'est comme dans les slashers, le côté des grosses allusions sexuelles, parfois un peu salaces, mais il se passe jamais rien. Vous verrez une fille en serviette épongée à un moment et c'est tout. Ah, le seul moment où le détecteur de mouvement est à peu près coordonné au mouvement que vous faites. Ça, je trouve ça logique. C'est ce qu'il y avait par exemple dans Heavy Rain. Regardez, là, hop, je vais mettre une bûche. Bah, j'attrape la bûche et je la mets dans le truc. Vous voyez, mon mouvement correspond bien au mouvement que fait le personnage. C'est pas de la quick time event. Et je trouve qu'ils auraient dû faire ça dans les moments de tension aussi. Je me souviens dans Heavy Rain d'un moment assez génial. Ah, regardez. Qu'est-ce que j'ai pas fini? Je voudrais allumer. Ah, faut quoi? Il faut des allumettes? Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Bon, bah c'est gentil de regarder le feu, mais... Attends, je vais regarder des allumettes par là. Bouge pas, cocotte. À moins que tu aimes ploter des sculptures de glace, je te suggère de faire du feu. Et vite. Oui, on va s'en occuper. Vous oubliez les allumettes, ça arrive à tout le monde, Mike. Sa petite boulette. Je disais, dans Heavy Rain, par exemple, il y a une séquence où le mec est à moitié drogué, à moitié alcoolique, et il doit traverser un bureau sans qu'on voit qu'il tremble et tout. Et on vous demande de tenir croix, rond, carré, d'inverser les doigts. Vous avez vraiment une position physiquement inconfortable sur la manette, avec des trucs à faire comme ça, en tenant un bouton et pas l'autre. Et du coup, physiquement, on ressent ce que ressent le personnage. Et ça, je trouve ça très très fort. Là, ça, c'est pas du tout exploité. Il y a quelques rares moments, comme celui qu'on vient de voir, où les mouvements qu'on fait sont en harmonie avec ceux que font le personnage, mais ça n'apporte pas grand chose finalement à l'histoire. C'est dommage parce que ils auraient rajouté un peu de PlayStation Move bien utilisé là-dedans, ça aurait été pas mal.
D'ailleurs, dans le dernier jeu, je me souviens plus avec Ellen Page, je me souviens plus le nom. Aurélien, toi qui as un cerveau, c'est dans le genre de Viren. Beyond Two Souls, ça y est, Beyond Two Souls, ça me revient. Il y a des séquences comme ça, justement, où on esquive, où on bouge et qui sont coordonnées au mouvement. Donc on sait faire ça depuis quelques temps. C'est dommage que eux n'en aient pas profité. Dans les choix qui s'offrent à vous aussi, il y a pas mal de trucs un peu. Ils sont passés à côté de pas mal de trucs. Allez, voilà les allumettes. Oh, je regarde des allumettes. Super. Par exemple, il y a des moments où vous allez devoir réagir assez vite, tirer sur quelque chose. Bah, vous aurez pu vous faire tirer sur vos camarades. Une des morts des camarades aurait pu être ça, une sorte d'erreur judiciaire. Mais non, il n'y a pas ça. Ah, regardez, je vais frotter les allumettes. Hop, sur le pad. Ça, c'est pas mal. Ça, ça me va. C'est les croix ronds carrés pour rien. J'ai bien joué. Bravo. Bon, très bien, d'abord, on va la réchauffer, puisque c'est son obsession. Ensuite. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu d'alcool. Oh là là là. Et puis quoi encore? Enfin, non, j'ai pas le droit de dire des marques, mais bon, une barre chocolatée. C'est juste hein, que je le sens un pas. Un petit pot de pâte à tartiner chocolatée, une tartine, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Embrassons-nous, moi j'ai vu direct. Bon, alors, ça marche. Peut-être qu'on se lance, tu vois. Comme pour sauter dans une piscine. Alors, ils ont l'air d'adultes, mais c'est des vrais ados. Ils ont 12 ans dans leur tête, hein, ces gens-là. Ils ont 12 ans d'âge mental, clairement. Et voir où ça nous mène. Sérieusement? Et tu pensais que ça marcherait? Ouh, c'est la fête. Encore une fois, c'est très prude comme jeu, vraiment. Alors, vous allez voir Eden Panettiere, souvenez-vous, c'était la pom-pom girl dans la série Hero, qui joue une des personnages principaux. J'ai réussi à la sortir de là, d'ailleurs, parce qu'elle était moins énervante que Jessica. Voilà, donc elle joue là-dedans. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres acteurs, mais enfin, ça reste quand même un scénario super basique, évidemment. Sérieux, c'est bon. Et donc, c'est elle, Eden Panettiere, que vous verrez en petite tenue. Vous avez sûrement vu cette séquence dans les démos, où elle est en train de prendre son bain. Donc, elle sort, elle est avec juste une serviette éponge autour de la taille, qu'elle gardera, évidemment, pendant toute la course-poursuite avec le serial killer. Très bien. Elle m'a demandé d'aller fermer les volets. C'est un piège. Amiral Akbar serait là, il nous dirait « It's a trap !» Eh ben j'y vais quand même, j'ai pas peur. Regardez, hop, un volet. Hop, deux volets. Voilà. Voilà, les volets sont fermés. Alors, il y a encore moins de choix de dialogue. Vous avez vu qu'on pouvait choisir une orientation, etc. Là encore, dans Walking Dead, vous avez 4 ou 5 lignes de dialogue possibles. Il faut faire des choix cruciaux rapidement, c'est vraiment difficile. Là, c'est juste son Altesse qui va vous demander d'allumer le feu, d'aller chercher des couvertures et un verre avec des glaçons. On n'en peut plus. Au fond, je vais être honnête avec toi. Je manque vraiment de confiance en moi. Oh, pauvre petite chose fragile. Oh non, moi je suis indifférent. Je vais pas la rassurer. Arrête. Quoi? Pas avec moi. Fais pas la petite fille complexée et apeurée. Je t'assure que c'est vrai. Ça m'a l'air compliqué. Eh ben, c'est peut-être parce que je suis compliquée. Super. Non, t'es juste chiante, soyons réalistes. Je croyais que t'étais le genre de fille qui a aucun secret. Ah, je me mets beaucoup de Jessica, mais les mecs ne valent pas mieux, hein, je vous rassure, ils sont tous du même niveau. Vous n'allez pas penser que je suis misogyne, c'est juste les gens de la télé-réalité, je ne les aime pas. Je les trouve inutiles, ils ne servent à rien, ils pourrissent la télé. Il n'y a plus que ça aujourd'hui, la télé-réalité, sur toutes les chaînes pratiquement. Je ne comprends pas l'intérêt pour des beaux gosses avec deux QI, ça m'énerve. Donc les voir dans un jeu, c'est un petit peu dur. Après, c'est compensé par le fait qu'ils vont crever dans des souffrances atroces, c'est pas mal. Ce que je souhaite pas, évidemment, dans la vraie vie, à tous ces pauvres candidats de télé-réalité qui sont exploités par des boîtes de prod, hein, bien sûr. C'est pas à vous que j'en ai, les amis, si certains nous regardent, mais voilà, c'est le principe. Le principe de regarder par le trou de la serrure ce que font des gens dans un loft, je trouve ça tellement débile. Alors, regardez, par exemple, je l'ai pas fait voir, mais là, il y a un fusil. Les couvertures. Donc, je vais aller choper le fusil, on sait jamais. S'il arrivait quelque chose. C'est un feu, j'espère. Non, c'est plus cool. Allez, je vais faire peur. Si je pouvais lui tirer dessus par erreur. Bouge là, pas. J'essaye, hein, la gâchette. Tu as fond, hein. Il se passe rien, je vous rassure. Ta petite tête.
Il y a des moments d'ailleurs où il faut qu'il se passe rien, et ça c'est un des rares trucs pas mal. Vous êtes poursuivi par le tueur, et il faut vous mettre par exemple dos à une porte, et ne plus bouger. Donc là vous êtes là avec la manette, et il faut pas bouger du tout, du tout. Dès que la manette bouge un peu, il vous fait du bruit et il vous repère. Donc ça, je trouve que c'est une idée assez brillante, qui est malheureusement pas tellement exploitée. Deux, trois fois on vous fait le coup, mais par exemple vous auriez pu balancer des vibrations dans la manette pour vous forcer un peu à bouger, ils ne le font pas. Donc voilà, Son Altesse m'a demandé de reposer le fusil. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, bonne poire, il repose le fusil. Donc dans n'importe quel jeu, on s'en fout ce qu'a dit Son Altesse. J'y reviendrai là et je prendrai le fusil. Mais là, regardez, je ne peux plus. Voilà, je l'ai pris une fois, c'est terminé. Voilà, donc quand je dis que c'est dirigiste, c'est vraiment super dirigiste. Surtout avec Son Altesse Jessica, qui m'a demandé maintenant d'aller chercher une couverture. Donc, je vais m'exécuter. Espérons que pendant ce temps-là, quelqu'un va l'exécuter. Alors, il y a des petits indices à regarder un peu partout. Par exemple, ce portrait d'une des sœurs, quand je le retourne, voilà, on s'aperçoit qu'elle a gagné un tournoi de tennis. Voilà, il y a plein de trucs à récupérer. Ah, je vous ai pas fait voir. Il y a aussi ce qu'ils appellent des totems. Juste regardez, c'est assez rigolo. Je peux diriger la tête du personnage avec la manette et son regard. Voilà, il a l'air encore plus idiot comme ça. C'est juste fabuleux, je peux le faire hocher la tête si je veux. Les totems, ce sont des indices, ça c'est les indices qu'on trouve. Les totems, parce que tout ça évidemment est autour d'une vieille histoire de cimetière indien abandonné, il y a des totems qui vous font voir des scènes qui vont se produire. Des risques, des choses qui peuvent vous arriver. Donc vous ramassez dans la neige des totems qui vous donnent un petit indice. Voilà, une personne décapitée malheureusement. Voilà, donc vous voyez, mais c'est tellement bref. Que bah, en gros ça sert à rien, et même si vous arrivez à identifier, par exemple là j'ai bien vu, c'est, on va le revoir, c'est la fille avec sa lampe torche, son petit pull, etc., qui rentre dans une pièce, vous vous dites ça peut me servir d'info pour éviter une mort atroce. En fait, que dalle, ça permet, même si vous êtes au courant vaguement de ce qui peut se passer, ça ne nous permet pas de l'éviter. Donc c'est dommage, ça aussi c'est des indices. Ils auraient pu faire un effort sur ces indices et faire en sorte que si on a ramassé un totem et qu'on a regardé la séquence, on a compris que ça se passait à tel endroit du chalet et donc on va éviter d'y aller. Bah non, en fait, que dalle, vous êtes obligé de vous taper ces séquences quand même. Donc ramasser les totems finalement ne sert à rien alors que c'était plutôt une bonne idée. Oh, je suis encore observé. Enfin voilà, bon, je dis beaucoup de mal. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je suis quand même à charge un petit peu. Mais n'empêche que c'est une tentative intéressante. Et ça fonctionne plutôt bien, un slasher en jeu vidéo, faut reconnaître. J'ai frissonné, j'ai sursauté, comme vous j'espère, depuis tout à l'heure. Et j'ai vraiment vécu des trucs assez sympas finalement. Donc encore une fois, je ne le paierai pas 60€, mais à 10, 20, allez, jusqu'à 30, je dirais jusqu'à 30. Une place de cinéma pour deux, on va dire, à Paris, parce qu'à Paris c'est très cher le cinéma. Allez, 12€, ça fait 22€. J'irai jusqu'à 22€ pour y jouer avec ma petite femme ou une copine qui puisse se blottir dans vos bras au moment où vous avez peur. Là, il y a eu un bruit, je crois que ça venait de là. Le son est très bien, les musiques sont très chouettes. Et le son aussi, écoutez, on sent bien qu'on se rapproche d'un truc dangereux. Et ce truc dangereux, c'est... un téléphone de fille, effectivement. C'est dangereux. Et c'est celui de Jessica, bien sûr. C'est ton téléphone. Quoi? Mais comment c'est possible? Je sais pas, il est passé par la fenêtre. Voilà, c'est normal, hein. Oh. Ça, c'est une nouvelle génération de téléphone, il passe par les fenêtres tout seul. Quoi? Ces espèces de peut-être une appli hein, pour ça, pour faire passer les téléphones juste par quand on commençait à... Oh, ces jeux d'acting. Oh, non, ils sont pas gentils. Oh, je vais leur dire. Hein. Hey, ouais, connard. Oui, vous. Je sais que vous êtes là. Bordel. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quand même la meilleure scène et le meilleur dialogue de tous ces jeux. Vous savez quoi? C'est pas possible. Vous gâcherez pas notre plaisir parce que Michael... Moi j'aime les filles classes comme ça. Parce que je sais que nous on va bien en profiter. Nananananère, hein. Allez, rentre chez toi. Voilà. Bon les petits amis, je vais vous laisser là. Essayez quand même de d'attraper. Ah bah non, trop tard. Ah ah, voilà, je voulais attendre ce moment quand même que j'attends depuis très longtemps où Jessica disparaît et on est enfin débarrassé de cette fille qui n'arrête pas de parler et qui est extrêmement pénible. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Eux, ils vont...
Fais voir deux minutes. Non, on est déjà trop en retard. C'est dommage. Ils vont aller dans la bibliothèque où il y a peut-être le colonel Moutarde avec le chandelier qui a fait quelque chose ou autre chose. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Vous voyez que là, on passe avec deux autres personnages. Et donc, je vais continuer avec une autre séquence avec deux autres personnages. Et c'est comme ça, tout du long, on change de personnage au fur et à mesure. Voilà. Donc, Until Dawn, si vous avez 14 ans, que vous aimez vous faire peur et que vous avez une petite copine que vous voulez ploter dans le noir, c'est un super truc. Pas plus de 22 euros, d'accord? Si vous êtes plus grand, jouez plutôt Alien Isolation. À mon avis, voilà. En tout cas, j'ai quand même rigolé, j'ai passé un bon moment, donc merci Until Dawn. Allez, à bientôt les petits amis, on se retrouve pour des jeux plus soft.